Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, c'est comment? Comment vous allez? C'est votre homme serviteur Rito. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous avais promis cette vidéo là pour parler un peu de Debordoli Koufa, artiste coupé décalé qui fait tant de bruit avec son silence. Debordoli, moi il te respecte, hein. C'est vrai que ton silence là, moi-même ça me plaît pas, après ça a trop duré, mais il te respecte même. Juste de bougnant, ça sent nous aussi pour ceux qui comprennent pas ce que je veux dire. Ça y est, je te respecte même. Big respect à toi. C'est bizarre, chaque fois que tu rentres dans un moment de silence, il y a toujours polémique sur toi. Moi, je ne ferai pas le plaisir de mentionner le nom de qui que ce soit dans cette vidéo. Parce que je me dis que c'est des personnes qui ne sont pas à mon niveau, honnêtement. Sans fausse modestie, quoi. Voilà. Je vous avais dit dans une de mes vidéos ici que je ne répondrai pas aux vidéomans ou bien aux youtubeurs qui passent leur temps à dénigrer les autres artistes, là. Je vous ai déjà dit ça. Moi, actuellement, je réponds aux artistes. Si un artiste s'amuse à avoir des propos désobligeants envers un autre artiste ou bien envers Debordoli Koufa, je me ferai le plaisir de lui répondre. Voilà. Bien avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que je ne suis pas content de vous parce que vous m'avez un peu lâché. Vous m'avez pas complètement lâché, mais vous m'avez un peu lâché. De 2500 partages, je suis à 1800 partages. Quand je parle de 2500 partages, je parle du partage en un mois. Le mois qui vient de passer là, j'ai fait 1800 partages. Et de toutes mes vidéos, c'est pas normal. Or, je vous produis des vidéos de plus de 10 minutes. Au moins 70 vidéos dans le mois. Si ça me fait rien, comme dépense en passe internet, je dirais au moins 75 000, 80, 85 000. Je ne les regrette pas, hein. Mais il est bien de soutenir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant. Non, c'est ça, abonné là, franchement, vous vous abonnez en tard. Il n'y a même pas longtemps, on parlait de 40 000. Il n'y a même pas longtemps, je ne dirais pas, ça ne fait pas encore une semaine. Les abonnés augmentent. Mais je n'ai pas besoin que vous vous abonniez pour vous abonner. J'ai besoin que vous partagez mes vidéos. Parce que j'ai l'impression que vous, c'est quand il y a buzz, clash, que vous partagez les vidéos. Hier, comme ça, j'ai fait une vidéo sur Orange. Pas pour les dénigrer, mais juste pour leur dire que je ne comprends pas les systèmes. Une très bonne vidéo comme ça. Une vidéo, on va dire, des problèmes qui nous concernent tous, surtout ceux qui, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici. Vous n'avez pas partagé la vidéo. Et ça, c'est pas intéressant. Mais je sais que par exemple, cette vidéo où je veux parler de Debordoli Koufa, vous allez la partager au maximum. C'est bien de la partager. C'est bien. Je vous en félicite. Mais partagez aussi les autres vidéos là. Parce que c'est vous qui me dites de changer de sujet dans mes vidéos. Voilà. Moi, si j'ai envie de faire vue là, je vous ai déjà dit, je ne parle plus de Debordo, je ne parle plus de Didier Arafat, je parle d'autre chose. Et j'aurai beaucoup de vues. Mon objectif sur cette chaîne là, ce ne sont pas les vues. C'est d'apporter un plus dans votre esprit, dans votre manière de réfléchir concernant le showbiz ivoirien et concernant même le savoir-vivre en société. Mais il est très, très important de le mentionner. Voilà, je tenais à vous le dire parce que vous m'avez un peu lâché. Voilà, vous vous abonnez beaucoup, mais vous partagez moins mes vidéos, ça je suis pas content pour ça. Bref, comme je vous ai dit dans cette vidéo, on va parler un peu de Debordoli Koufa, artiste coupé décalé. Ah, Debordo, tu es un chef. Je sais pas comment tu es né, mais franchement, il y a des personnes sur terre qui font toujours objet de jalousie. Il y a des personnes qui sont comme ça. Elles sont nées comme ça. Elles vont faire le bien haut. Elles vont faire tout haut. Il y aura toujours des personnes qui les jalouser. Et ça, c'est le cas de Debordoli Koufa. À cause d'un silence, tellement ils ont envie de te faire parler, tellement ils ont envie de te faire sortir de toi, ils inventent maintenant des choses. C'est pathétique. Hein? C'est pathétique. Et vous savez pourquoi on raconte tout ça sur Debordoli Koufa? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est soi-disant à cause d'un youtubeur. Parmi 100 youtubeurs, c'est à cause d'un youtubeur
qu'on raconte tous ces mensonges à ce Bordeaux. Et moi, je fais cette vidéo-là pas pour, en quelque sorte, blâmer ces personnes qui passent le temps à mentir sur Bordeaux, mais c'est pour blâmer même les fans de Bordeaux. Oui, vous aimez la bêtise. Vous aimez le n'importe quoi. Le ridicule. Le sans avenir. Vous aimez ça. Quand il y a des personnes comme nous qui vous parlent de réconciliation et de paix, de changer de mentalité, de partir à la paix et à la réconciliation, d'être solidaire entre nous, vous n'aimez pas. Vous comme quoi, comme X ou Y, et en désaccord avec des Bordeaux Likoufa. Donc quand vous avez un individu devant vous qui prend sa caméra, qui se filme et raconte des idioties, vous, ça vous plaît. Ça vous fait énormément du bien. Parce que comme quoi, il dénigre l'outatis et vous, ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, on dénigre des Bordeaux Likoufa, ça vous fait mal. Moi, je ne suis pas content. Je reconnais que je ne suis pas content. Et puis, je vais dire mes vérités à ces derniers-là. Mais vous aussi, vous êtes décourageant. Vous n'encouragez même pas. Parce que vous n'avez jamais le courage de dire à des personnes qui parlent avant de réfléchir, d'arrêter les bêtises. C'est une façon de vous dire aussi que, de la manière que ces personnes-là dénigrent l'artiste des autres, là, c'est de la même manière qu'ils le feront aussi pour vous. C'est en ce sens que je vous parle de paix et de réconciliation, puis vous ne comprenez pas là. Non, ça, j'arrive pas à comprendre quoi. Je vous ai expliqué ça une fois, je vous ai expliqué ça en détail. Vous allez comprendre un peu irritant. Je vous ai dit ici que moi, je peux décider de prendre ma caméra et puis me lève et insulte tout le monde, de youtubeurs jusqu'à artistes. Les abonnés là vont plus voir. Parce que l'homme même dans sa nature aime les bêtises. L'homme aime les conneries. L'homme n'aime pas où il y a conseil. Vous voyez un peu? Vous écoutez ces personnes-là. Elles ne racontent rien de bon. Contenu de la vidéo vide. À la limite du coq à l'âne, du tohu-bohu. Mais chaque fois que vous recevez une notification, vous cliquez dessus. Qu'est-ce qu'il raconte encore ce dernier-là? Vous partagez même leurs vidéos. Et aujourd'hui, ils sont en train de raconter des mensonges. C'est à cause de vous. Hein? C'est pas à cause de Bordeaux. C'est pas à cause de moi. Moi que vous jugez, vous insultez. Parce que comme quoi, je défends la musique ivoirienne. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous. Ah, vous encouragez de l'autre côté. Et vous payez de quelque chose. Il faut changer vos mentalités. Hein? Il faut changer ça. Voyez, c'est vous qui êtes à la base. Voyez, si vous avez le courage, un, de dire la vérité à cette personne qui ne raconte rien devant la vidéo là, d'arrêter la bêtise, ou de vous désabonner, ou de ne plus regarder la vidéo, je pense que cette personne va vous arrêter. Mais c'est parce que vous encouragez, vous félicitez. C'est pourquoi il y a des idiots aussi dans l'autre camp qui vont faire des campagnes de dénigrement contre des Bordeaux Likoufa. C'est ça la plus simple vérité. Moi, je ne suis pas un gars gauche-gauche. Hein. Voilà, je ne suis pas un gars gauche-gauche. Tout ce que je fais là, je ne suis jamais téléguidé. Je le mûris d'abord. Je réfléchis d'abord, selon mon éducation. Et puis, je prends ma caméra, je fais ma vidéo. Bref, je vais m'arrêter là sur vous. Mais j'espère que vous m'avez compris. Cependant, vous aussi qui voulez faire comme ces idiots qui dénigrent votre artiste là, vous n'êtes pas différent. Moi je dirais même que vous êtes pire qu'eux. Voyez, c'est comme si tu vois un fou devant toi qui marche et puis qui voit une eau usée, qui dit ah j'ai soif, qui s'abaisse, qui boit cette eau usée là. Et comme toi aussi tu as soif. Et tu n'as pas d'eau près de toi dans le moment, dans l'instant là. Tu t'abaisses aussi et puis tu bois l'eau là. Mais tu es plus fou que le fou là. Ben, le fou il le fait parce qu'il n'a pas conscience que c'est une eau usée. Il s'est dit que c'est une eau normale. C'est comme ça que vous réagissez. Donc de quoi on parle? C'est-à-dire le mec il est dans son coin, il ne parle pas, il est concentré sur son album, sur ses projets, sur ses... Ça vous dérange, il n'a qu'à parler. Parce que quand il n'est pas sur Internet, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas chic. Ce n'est pas chic du tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à dire. La même source qui est en train de raconter des conneries aujourd'hui là, avait dit, il n'y a même pas 5 jours, même pas une semaine, que l'artiste des Bordeaux Likoufa était dans le coma. Aujourd'hui, pas extraordinaire. Il est sorti de son coma et il allait faire cet acte ignoble. C'est quoi ce mensonge-là? Vous gagnez quoi?
C'est quoi votre satisfaction? Mais quelque part, j'encourage aussi celui qui vous dénigre là, hein. Parce qu'apparemment, on a besoin de quelqu'un comme ça aussi, de notre côté, pour faire comme vous. Parce que moi, malgré qu'il y a beaucoup de fans de Bordeaux qui sont très fâchés contre moi, comme quoi je suis en train de défendre l'album de votre artiste, ça m'a jamais influencé pour dire que je ne supporte plus l'album. Je continue à le soutenir comme je peux, à faire des vidéos, à inviter la Chine, les fans du Coupé Décalé à acheter son album. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on appelle une grandeur d'esprit, une ouverture d'esprit. Et ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que vous pensez que c'est vous seulement qui avez la bouche sale. C'est vous seulement qui êtes impoli. C'est vous seulement qui êtes né après la honte. Un gars comme Eric Thor a des propos un peu durs, un peu violents, ça vous choque. Mais pourquoi vous êtes choqué? Ah, parce que je suis le mec pacifique, tout le monde a le droit de venir chier sur moi, chier sur mon artiste, dire n'importe quoi, puis je le regarde d'homme, je suis pacifique, non. Je fais souvent ces posts-là pour vous dire que il peut faire pire que vous. Il peut faire énormément pire que vous. Et puis Dieu me voit si je mens. J'ai reçu plusieurs fois des informations très dénigrantes sur votre artiste, mais j'ai jamais daigné les publier. J'ai jamais daigné les dire ici sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un artiste ivoirien que je respecte. Ou j'ai à lui dire mes vérités là. À la limite, c'est sur son comportement. C'est sur sa façon de faire, c'est sur ses réactions. Et puis je le dis tout le temps dans mes vidéos. Je ne le cache même pas, même quand je le supporte. Vous vous mentez pour dénigrer. Au moins quand je vais faire là, ça sera la vérité. Donc vous voyez l'impact. Il faut arrêter les amis, hein? Il faut arrêter. Notre coupé de graines n'a pas besoin de ça. On est en 2019. Au lieu de penser à s'unir pour être plus fort, pour être plus influent en Afrique, les personnes de basse mentalité, de courte mentalité, de mentalité erronée comme vous là, vous voulez empêcher cela. On va aller où est ça? On ira où avec? Hein? Que ce soit de mon camp ou de votre camp, vous me décevez vous tous, hein? C'est-à-dire, le mec, il est là, il parle pas. Hein. Mais ça vous dérange tellement. Vous inventez quelque chose, vous êtes assis. C'est quoi? Vous avez un esprit de sorcier en vous ou quoi? Desbordeaux vous a fait quoi? Desbordeaux, il vous a fait quoi? Il parle, il dérange. Il se tait, il dérange. Apparemment, il doit être plus influent même que votre artiste. Hein? Apparemment. Il faut arrêter, les amis. Hein? Il faut arrêter. On n'a vraiment, vraiment pas besoin de ça. Laissez Desbordeaux où il est là. Quand il va faire sortir ses musiques là, vous allez danser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers fans de Desbordeaux du Koufa, restez sereins. Et j'espère que vous avez compris aussi ce que j'ai dit. Restez sereins. Desbordeaux du Koufa va superbement bien. Il va très bien. Voilà. Actuellement, il est concentré sur ses projets. Et Inch'Allah, il sait que Dieu va faire son album sortira en 2019. N'écoutez pas ceux qui veulent le dénigrer, veulent gâter son nom là, ne les écoutez même pas. Restez concentrés sur votre artiste. Et puis soutenez surtout la musique ivoirienne, c'est très important. J'espère qu'on s'est compris, hein. Voilà, c'était Eric Thor. Ciao, ciao les amis.